nickel comme d'habitude. Aujourd'hui les amis, vous le voyez, enfin on va jouer à Ice Cream 8. Non pas 8. Ouais c'est bon on a le compte. Le chapitre final. Est-ce qu'on va enfin réussir à sauver nos amis du terrible marchand de glace Rod? Et ben on va voir ça tout de suite, c'est parti. Ok donc là, attends, il y a Rod avec ses mini Rod. Ok donc déjà ça commence. Alors faut vraiment savoir que c'est le tout dernier chapitre. Il n'y aura pas de suite, rien du tout. J'espère qu'on va réussir à sauver nos potes. Alors fantôme facile, normal ou difficile? Et ben on va partir normal. Oh, attends déjà je vois que il y a le musée, le laboratoire et le cottage de Joseph. Joseph c'est... Ok pourquoi pas, bah écoute c'est parti. Let's go. Janvier 1983. Bonjour, ici le commissariat de Spokane. Que puis-je faire pour vous? Bonjour. Mon fils Jay Brown a disparu. On n'a plus de nouvelles de lui depuis plus d'un jour. Mon mari et moi l'avons cherché en vain. Ah bah oui, c'est les... à l'époque, tout le monde a disparu. Hein. On va se retrouver, t'inquiète. Le pire, c'est qu'un de ses meilleurs amis, les enfants de Owen, ont également disparu. On en a parlé dans le journal. On se sent tellement démunis. La famille qui s'inquiète un peu trop tard, tu sais. Oh, la tronche du chien. Madame, je vous en prie, gardez votre calme. Nous avons également reçu d'autres appels concernant les enfants disparus ces dernières semaines. Nous recherchons actuellement le coupable. Alors ne vous en faites pas, nous mettrons tout en œuvre pour résoudre ce terrible mystère. C'est là que tout a commencé, c'est dans cette maison, vous vous rappelez? On était sautés de la fenêtre. D'autres enfants disparus ces dernières semaines? Mais quelle horreur! Mais oui, mais c'est Rod! Il les capture pour essayer, pour tester ses glaces, ses nouveaux glaces sur lui. Pouvez-vous nous donner les informations qui pourraient nous aider à retrouver votre fils? Maintenant que vous le dites, j'ai entendu une étrange mélodie de marchand de glace ces derniers temps. Oui, un peu trop souvent, on l'a entendu même, hein. Je vois. Dites-moi plus. Où m'appelez-vous exactement? Bah, de chez moi. Ah, sortez d'ici, petits enfants tordus! Ah, ouais, c'est vrai, ils nous avaient grillés. Ah, les gars, qu'est-ce qu'on fabrique là? Ah, tiens, la porte. On n'agit pas rapidement, le marchand de glace. Fou, risque d'enfoncer la porte du 8 à l'autre. Ok. C'est à moi de jouer, les amis. On va essayer de trouver la solution. Trouver une solution pour vous échapper de la salle de contrôle avec vos amis. Qu'est-ce qu'on a ici? Très bien. Utilisez le bouton indice pour faire apparaître une ligne qui vous guidera vers votre objectif. Oh, mais c'est abusé, ça! Vous devez regarder une publicité. D'accord, ouais, je comprends mieux. Donc, trouver un plan d'évasion dans la salle de contrôle. Ok, trouver une solution pour vous échapper. Bah, alors déjà, il y a un pied de biche ici. Donc, ça, on le prend. Attendez, on peut regarder. Ah, ouais, on voit Rod. On voit Rod. Ça craint de ouf. Ok. Donc là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je peux péter une grille, il y a un truc de planqué ou pas? Je peux essayer de bloquer la porte avec le pied de biche? Don't open. Eh ça, on pourrait pas l'ouvrir. Attendez, je peux peut-être reposer ça. Il y a une plaque en dessous. Alors je vais prendre le pied de biche. Couvercle. Vous avez découvert un conduit de ventilation caché. Maintenant trouver une solution pour l'ouvrir. Bah avec ça, ça devrait aller, non? Faut peut-être... Ah, il faut bouger le canapé, je pense. Hop, allez. Il est solide ce canapé, hein. Ok, c'est bon, on est bien. On va reprendre ça et on va ouvrir ça. Allez, hop. C'est bon? Ils sautent? Ils sautent! Ok, c'est bon les gars, on peut y aller! Liz, Nike, Charlie! Je crois que j'ai trouvé l'issue! Suivez-moi vite! Ah, qu'est-ce que tu as fait, Chi? Les tables d'abord! Tiens! Je vous tiens tous enfin! Hein? Et ouais, on est parti! Non! Ces fichus gamins d'Odus se sont encore échappés! Genre, ils voient pas le conduit? Je n'en peux plus! C'est la dernière fois qu'ils s'enfuient! Depuis que je les ai enlevés et enfermés dans mon usine, ils m'ont cessé de causer des problèmes! Ouais, c'est vrai, mais en même temps, tu l'as cherché! Plus question d'utiliser comme ingrédient de ma glace spéciale! Maintenant, c'est personnel! Je n'avais pas prévu d'en arriver là, mais. La fête est finie! Qu'est-ce qu'il a fait? Il a une nouvelle arme? Oh, il a verrouillé toute l'usine de glace! Oh oh! Ah, j'en peux plus! Si je fais encore un peu, mes jambes vont se détacher de mon corps. Mais Charlie, tais-toi. C'est son, je pense savoir ce qu'il signifie. Oh, d'activer le système de sécurité. Et à présent, toutes les sorties sont verrouillées. Heureusement, j'ai trouvé ça tout à l'heure. Et ça m'a donné une excellente idée. À première vue, trois générateurs fournissent de l'énergie au système de sécurité. Si nous parvenons à les désactiver, nous pourrons nous échapper de cette usine. Pas mal en vrai ça, hein. Alors j'ai ça aussi. On a la personne qui dirige l'exploration de chaque zone aura, et pourra utiliser les autres. Ah, donc ok, aura un talkie-walkie. Mike, c'est incroyable. Cette habitude que tu as de récupérer des papioles et des papiers inutiles. Maintenant, au travail. Il est temps de trouver ces générateurs et de retrouver nos familles. Yes. Ok, bon. Choisissez un nouvel objectif. Une destination. Wouah, le pistolet de Rod. On est dans la camionnette de Rod. Salle de contrôle, on peut plus trop y aller. Le cottage de Joseph, le musée, le laboratoire. Et ben on va aller au cottage de Joseph. J'en ai tout pour l'équipe, pour les personnes que j'aime. Trouver le générateur du cottage. Ok, c'est parti. Let's go les gars. Bon, on va commencer. Ils sont dedans. Si on l'abandonnait ici, hein, ce serait bien. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Ok, bon, alors, on n'a pas d'indice, la porte est fermée. Ok, attendez, je viens de voir que... C'est quoi ça sous l'escalier? Utilisez des pièges pour vous défendre de vos ennemis. Appuyez sur le bouton pour placer un piège. Ah oui, ça, je connais. Conduit d'aération. Oh!
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce l'usine de mon fils? De près, elle a l'air vraiment magnifique. Enfin, je vais pouvoir le serrer dans les bras. Oh, y'a la nonne! Qui est là? Une créature aussi énorme et laide que toi ne peut pas être mon bébé. Je vais te pulvériser d'un coup de marteau. Oh non, y'a la nonne! Ils ont fusionné les deux jeux! Non merci? Horrible! Horrible! Ça va être horrible, les amis. Ah ouais, non. Ah non, non. Ah non, 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 ils ont mis les deux persos. Certains amis tels que Franken Boris ou le crocodile sont plus puissants que les principaux méchants. D'accord, c'est génial. Trop content de le savoir. On a la nonne aux trousses. Ah oui, d'accord, je vois le... Plus Rod. Ça va être super... Oh. On peut fermer la porte à clé. Yes. Ok, c'est le générateur. J'ai atteint l'objectif. Il était bien protégé dans la cabane derrière l'usine. Obtenez la clé que le crocodile garde et entrez. Oh, yes. Oh, j'ai faim. Oh, Charlie, allez-y. Dévore le gâteau entier, espèce de gros glouton. Ah oui, c'est vrai. Il a tout enfin, mon pote. Bon, bon, bon. Alors, trouver la clé de la forêt. J'imagine qu'il faut partir par là. Vous imaginez, on a 3 vies, hein. Ça, c'est terrible, hein. Trouver la clé de la forêt. Alors, on peut toujours revenir dans le placard s'il faut. Mais attention, la nonne est là. C'est grand, c'est très grand. On a que ça comme indice, hein. Trouver la clé. Wouah, l'usine, elle est si grande. J'entends des loups, non? La nonne! J'aimerais qu'elle ne me voit pas, ça serait bien. Elle est partie où? Elle fait des allers-retours, d'accord. Tu peux grimper ici ou pas? Cuisine, laboratoire, garage, la poursuite, toi. Votre objectif n'est pas là. Ah bah, c'est sympa, ça. Il faut voir, c'est quoi, les indices? Ah, c'est ça, regardez. Oh, mais c'est trop abusé. Alors, ça marche une fois, hein. C'était juste pour tester. Ah ouais, non, mais non, c'est trop de la triche. Ok, en plus on l'a pas pendant longtemps, donc ok, bon, de toute façon c'est exactement là où j'allais aller, donc attention crocodile, hein. Mais t'attends pas si tu vas sur le pont, tant que tu vas pas dans l'eau. Ah ouais, donc faut pas aller dans l'eau. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, y'en a pas qu'un d'ailleurs. C'est mon ventre ou c'est le crocodile qui a fait le bruit là, hein? Ah ouais, d'accord, dès que tu touches l'eau, le crocodile s'approche si vous voulez pas qu'il vous morde. Ok, obtenez les œufs de crocodile. Ça roule, je suis obligé de trouver les œufs. Ok, bon, ça roule. Waouh, regardez le rat géant. Oh, 9. Il en faut plusieurs. Je dois le placer. Non, 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 non. Okay, il va que dans l'eau, il va que dans l'eau. Ah! Pas cool! Est-ce que je peux retourner dans la cabane, s'il vous plaît? Faites que je puisse retourner dans la cabane. Je peux y retourner si je voulais, ouais. Ok, c'est bon, on a lâché l'affaire. Très bien. Donc là, j'ai les œufs de crocodile. Peut-être qu'il faut les placer là, dans son nid, là. Ah ouais, il me suit vraiment partout, quoi. Parce que je suis sûr que c'est ça, hein. Ok, quelqu'un a pris les œufs de ce nid. Ok, ça c'est bon. On en a un. J'imagine qu'il y en a plusieurs à trouver, hein. J'ai pas fouillé ces chiottes. Pas d'œufs dedans. On m'a dit c'est bien planqué. Et ça marche genre tout le temps les pubs? Ah ouais, c'est abusé. Oh. Ah bah tiens, on va regarder. Mais attends, mais il y avait pas d'œufs tout à l'heure dedans? On a placé les œufs dans le nid, ça on connaît. Mais c'est trop bien de pouvoir avoir les trucs comme ça. C'est bon. 2 œufs sur 3. Il en faut un troisième. Je pense que c'est dans une autre cabane. Je suis pas vraiment sûr que j'ai le droit de faire ce que je fais là. Ah! Piège. Piège! Let's go! Mais c'est trop bien! J'ai les pièges à l'infini, mais attends, mais pourtant je suis en normal, hein. Ça, ça va être pratique, ça. Let's go. Ok. Ça va, les gars? Y'a pas un œuf dans le coin? Ah, fallait parler à Lise. Oh! J'ai trouvé cet œuf sauvage plat. Tu es bien le radier à sa maman. Oh, merci, Lise. T'aurais pu me le donner bien plus tôt. Ok, c'est bon. Hop, on va redéposer ça. Je peux dire que là, avec les pièges, on va être bien. Vous aimez? Je suis en normal, les amis. En facile, ça va être encore plus simple. Voilà, c'est bon. Le crocodile approche. Fuyez si vous voulez pas qu'il vous morde. Ok, ça roule. Donc là, on va obtenir la clé. Facile. Ah, là, c'est ma vengeance, hein. Les pièges, je peux te dire que le nombre de fois ils m'ont fait peur. J'ai bien le droit de les utiliser à fond. Y'a pas la nonne pour l'instant, donc ça va. La clé du porte. Ah ouais, j'aurais jamais pu la récupérer. Le croco m'aurait mangé avant. Mais pourquoi c'est aussi long de prendre une clé? Ah, peut-être parce qu'elle est attachée. J'ai la clé. Ok, maintenant, ouvre le portail de la forêt. Donc là, c'est ça, c'est le portail. Portail. Le portail est fermé depuis le poste de sécurité. Ok, ça roule. Hop, on met ça là-dedans. Allez hop. Et on tournera après comme ça. Allez, c'est parti. Yes. Obtenez le fusil à givre. Il y a deux choses d'entrer dans la forêt sans véhicule robuste. Le fusil à givre, c'est ce qu'il y a dans la cabane. Allez, c'est parti. Allez, on y va. C'est le fusil de Rod. Bon, les potes, je vais prendre le pistolet de Rod. Non, quelqu'un a pris le fusil. Oh non, c'est pas possible. C'est qui a pris le fusil? Il est où notre pote? Sérieusement. Ok, bon. Où est-ce qu'on pourrait aller? Le fusil à givre. Ouais, c'est ça. Faut que je trouve qui l'a pris. On active le truc. Ok, on va suivre le GPS. C'est moi, c'est moi. Derrière toi, attention. Oh, merci. Ouais, je veux ça, ouais. On échange. Oh, il a mis la nonne KO. Haha. Ok, brisez le mécanisme de verrouillage de la porte du garage. Pas de problème pour ça, l'ami. C'est bon, elle est paralysée, on est d'accord. Bouge pas. Ok, on y va. J'ai que 2 balles. Okay. Heureusement que mon pote, il l'avait paralysé en vrai. Regarde, il y a le piège. Faut que je tire dessus là-haut, là.
Il est où le machin? Je l'ai vu tout à l'heure. C'est ça. Je tire dessus. Boum! Yes! On peut repartir avec le camion! Et là, c'est bon, on peut y aller? Montez dans la camionnette et pétrez dans la forêt. Ça roule! Bon, ça va, c'était facile en vrai. Ok! Et hop, tout le monde à bord! Direction la forêt. Mes parents me cherchent sûrement. Liz et Charlie, ils sont même passés aux journées télévisées. Si on n'arrive pas à sortir d'ici tout seul, ils finiront par nous chercher ici et ils seront coincés. Ils vont monter sur le poste de surveillance? Allez, mon gars! Allez, let's go! Allez, c'est parti. Oh là, il a du mal à conduire. Waouh, vous avez vu le méga canon qu'il y a au-dessus? Il a tellement amélioré sa camionnette, Rod. Allez, c'est parti. Yes. On va utiliser le canon, je pense. Tirer sur les points faibles de la tour et de son environnement pour la détruire et laisser le générateur sans source d'énergie. Les mini-rods bûcheront tentant d'esquiver en attaquant les canons de glace. Tirant dessus pour les détruire. Oh, trop bien. Ok, j'ai pas le choix. Je peux pas regarder plus à gauche. La tour, elle est où? Pour l'instant, je peux pas tirer. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Use this time to destroy the weak points of the tower while I restart the van. Feu! Joli. Ça, j'explose. Je peux vraiment les éliminer, quoi. Ok. Ok, ça recharge. Ça va être terrible. Non. Hop. Faut exploser ça. Hop. Ok, je l'échelle. Je suis bien. Ça recharge. Par contre, la recharge, elle est méga longue. Oh. Allez, feu! C'est tellement galère de viser! Allez, il faut tirer deux fois sur les pansements à chaque fois. Il faut éviter que les mini-rods arrivent là en mode bûcheron là. Allez, ça recharge. Il y en a un autre là-bas là. Attention. Oh! Ça va, c'est facile. Yes, c'est bon! Je prends mes coups! Allez, ça c'est fait. Ah, il y a une autre partie, il y a une autre façade. Ok, une là, je vois une deuxième cible, troisième cible, quatrième cible. Ok, faut pas qu'il pète la planche à la barrière, sinon il passe. Oh non, le van s'est encore stoppé. Faut que tu vises. T'inquiète, ça allez. Hop là. Hop, je tire là-dessus. Y'a plus de mini-rod? Ah si, ils arrivent à gauche. C'est fourbe. Ok, y'en a deux maintenant. Oh, ils arrivent par deux. Oh oh. Non, je suis mal. Ok. Non, c'est bon. Je peux pas les tirer dessus. C'est abusé. Ok. Et le dernier. Ah, il est tout là-haut. Feu. Et feu. C'est bon. Yes. Wouh. Oh, c'était chaud, regardez. Il y avait plein de mini-rods qui arrivaient. Allez, salut les nazes. Oh là là. Ok, oh non, c'est pas terminé. C'est quoi ça? Ok. Allez, c'est parti. Ok, allez Charlie. Ok, c'est parti. Allez, on vise. Je tire et au pire, là c'est loin de recharger. Allez, feu. Oh oui. Allez, c'est parti, deux ici. Sur les mini-rods, y'en a plus. Je l'ai pas vu! Ok, c'est pas grave, c'est le moment. J'attends qu'il disparaisse comme ça. Ok, ça c'est bon. C'est bon! Yes! Oh là 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 là! Et c'est pas terminé! Mais c'est en 4 fois, mais c'est méga chaud! Ah, mais le chapitre final, ça va être un film en fait, les amis. Parce que vous imaginez, il y a 3 générateurs à péter. Hein. Allez, c'est reparti. Allez, Charlie, on y va! Oh, je l'ai eu en plein dans le mille. Oh, let's go! Ok, les mini-rods là. Oh, le temps de recharge du canon de glace. Allez. Je pense qu'il n'y aura pas besoin de recharger. Ah, c'est bon! Wouah! Yes! Eh, dis-moi que c'est bon, mais non, il y a encore un pansement! Et ça marche, genre là? Ok, bah ça a marché. Ok. Encore une fois? Ouais, c'est ça, encore une fois. Je pense que c'est la dernière. Oh là 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 là, la pression. J'en peux plus. Ok. Allez, le van est encore en panne. Faudrait peut-être l'amener au contrôle technique. Ok. Allez. Allez, c'est trop long pour recharger, j'en peux plus. Oh, je t'ai pas vu toi. Ça va? Il y en a un autre là-bas. Voilà, comme ça, on est désactive. Et là, on y va. À fond. Allez, à fond. Yes. Regardez comment elle est pétée, l'usine, là.
Yes! Du coup, le générateur il fonctionne plus. Ouais, on a réussi! Mike, tu es un excellent conducteur! Faudra qu'on recommence! Ouais, le tireur quand même, attends, bien ou pas? Allez! Un générateur en moins! Ouais, c'était facile quand même, en vrai, ça va. À chaque fois que vous détruisez un générateur, votre progression est sauvegardée. Ainsi, vous pouvez reprendre la partie depuis ce point en cas de défaite. Oh, c'est trop bien! Oh, c'est trop bien! Bah, en vrai, c'est pas fait attraper une seule fois pour l'instant, donc. Puis bon, le GPS, ça va, c'était pas si. Deux fois l'arme, il y a un bug là, non? Ok, détruire la source d'énergie du générateur. Bah, on est bon, non? Ok. Donc là, on a plus d'indice en rien. Ah, bah, c'est bon, on doit passer à un autre. Allez! Maintenant, on va passer au musée. Allez, let's go. Trouver le générateur du musée. Oh, ça va être avec Liz. On va contrôler Liz cette fois-ci. Ah, c'est bon! Trouver le générateur. Faut aller au musée. Non, non, mais attends, genre, elle m'accueille comme ça, elle. Ok, donc là, je peux aller au musée maintenant. Oh, je l'entends. Il est derrière la porte! C'est un musée! Allez, derrière la porte, hein! Le musée. C'est là le musée? Attends, faut voir. Laboratoire, musée. Ok, donc je dois passer par le garage. Je pense que c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Ok. Non, mais arrêtez de me la mettez pas devant! J'ai utilisé son piège. Oh, elle va pas aller dessus. Attention! Ouais! J'avais pas encore essayé ce piège-là, c'est pas mal. Ok, bon, le musée, j'imagine qu'il est là-bas. Hein. De toute façon, il y a une grosse main qui me fait ça, tu sais. La main, elle est comme ça, la main. Tu vois, voilà. C'est la main, elle est comme ça. Donc, c'est bon, hein. La porte est pas encore ouverte, non. Ok, on va essayer de trouver un... Ah, voilà. C'est le petit indice pour repartir. Ok, donc c'est de l'autre côté. Hop. C'est de l'autre côté. L'ennemi s'est évanoui, mais comment? Elle a dû glisser toute seule. Hé, hey, mon pote. Ça va ou quoi? Moi, je vais là-bas, hein. Est-ce que je peux remonter? Attends, il n'y a pas un fusil pour moi? Tu peux me donner ton fusil? Non? Je vais prendre ça, ça te dérange pas. Le pistolet de Rod. Non mais c'est trop abusé, même deux balles, c'est trop bien. Ah, c'était là où ça ne s'est pas allé. Faut descendre dans le conduit. Vous allez voir. Ça va être là. Ici, je pense. Hop là. On y va. Hop. Let's go. On est arrivé. Waouh. Oh, Boris, ça semble vachement bien. Oh non, Boris, non, le garde du corps, ils l'ont réparé. Boris a besoin de plus de pièces détachées. Oh non, le Terminator est de retour. Mon corps se remplit à nouveau d'énergie. Oh non. Boris ressent de la douleur dans son corps. Boris est très en colère. Ah, oh, toi, méchante fille. Tu as blessé, Boris. À l'attaque. Frappe, détruit. Mais quoi, tout? Certains ennemis tels que Franken Boris ou le crocodile sont plus puissants. C'est génial. Donc Boris, clairement, on ne peut pas l'esquiver. Bon, on va aller se mettre en PLS là-dedans. Non, non, attends, t'as rien vu. Hop, je l'ai gelé. Boris! Il peut pas m'attraper. Oh, ça a de la caillou. Il m'a pas vu, hein. Il m'a pas vu. Je sais pas s'il peut monter, hein. Je m'en rappelle de cette zone. Ok, donc je dois trouver le générateur. Et j'imagine que c'est là où il est. On va te le congeler, lui, tu vois. Hop là, voilà. Ça fait quoi d'être congelé, hein? Boum. Ça les a détruits, en plus, cool. Bon, par contre, j'ai plus besoin de ça, hein. Après, ça a abusé. On utilisera les pièges. En fait, c'est nous, le voisin d'Elon Ibor, ici. Allez, non, mais regarde ça, il est devant la porte. Ok. Oh, il y a des mini-rods dedans. Les mini-rods, ils lui donnent de l'énergie. Ah, ils protègent la porte. Il y a rien là-dedans qui pourrait me servir. Pas du tout. Ah, ça les a réveillés quand même. Je peux peut-être faire le tour par là. Je crois qu'il y avait des barils. Hein. Ah non, je peux pas. Ok, bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est le pistolet que je viens de jeter. Ah, ça les... ils se réveillent quand même. Hein, donc, c'est pas si abusé que ça, finalement. Je peux poser un piège? C'est trop bien ça en vrai. Mais allez, ça marche pas sur les mini-rods? Bon, il s'est désactivé tout seul. Et Boris n'a pas l'air de vouloir venir. S'il vient en fait. Et il court très vite, hein. Il est exactement là où je voulais aller. Parfait. Donc là c'est bon, regardez, hop. Il arrive mais ça va aller. Là, il peut venir ici parce qu'il n'y a pas escaladé. Oh, oui, c'est bon, je suis passé.
Yes. Ok, donc vraiment c'est génial. Il y a trois générateurs, donc trois chapitres dans ce chapitre final. J'ai enfin trouvé le générateur, il se trouve dans la boutique de cadeaux. Méfiez-vous du gros robot. Et du coup en fait il y a un boss par chapitre, c'est génial. À l'extérieur c'était la nonne, là c'est Boris. Et ensuite ça sera Rod, sûr. Ok, on a trouvé le générateur. Même pas besoin d'utiliser les pièges pour Boris hein. C'était super simple. Trouver le cri hydraulique. Ok, ça roule. Mike, t'as rien à me donner? J'ai besoin d'un outil autorisé de charge pour sauver rapidement le volet. Ok, ça roule. On a le fusil à givre. Je vais le prendre. J'aurais besoin d'une arme. Ah bah, j'ai plus de balles. Ok, ouais, pour désactiver. Apporte-moi un déguisement, Sourette. J'ai peur avec le robot. Ok, donc lui, il a besoin d'une arme. D'accord, d'accord. Ok, et lui, il a besoin du cric. Hein. Bon. Et ça, c'est le générateur. Bon, ça roule. On va sortir. On va sortir. Boris me fait moins peur, étonnamment. Il peut pas passer là, on est d'accord, c'est trop grand pour lui. Hein. Il peut pas passer, mais lui peut venir. Non, mais c'est abusé! Alors, Boris, on peut pas le désactiver. Hein. Il vient, il sait exactement où je suis. C'est bien, suis-moi. Exactement ce que je voulais faire. Et viens là. Tu peux monter ici? Oh, tu peux peut-être monter ici. Voilà, et là on va pouvoir aller là-bas. Comment je suis obligé de le faire retourner en sauce là? Il y a des robots dessus. Il me suit hein. Bien sûr qu'il me suit. Panique. C'est quoi ça? Pistolet micro-ondes. Ça va vraiment quelque chose? Je peux le tirer dessus? Faut. C'est génial. J'ai trouvé une barre, j'ai vu une barre de fer, j'ai pas le temps de la prendre. Il me suit partout. Il peut pas venir ici. Mais là, j'ai pas à venir ici. Toi, tu vas. Voilà, hop, toi, je vais te calmer. Ok, il peut pas venir ici. J'ai plus de. Ok, on sort plus rien. Porte. Qu'on avait ouvert, je me rappelle, ouais. Excellent. C'est quoi ça? C'est hydraulique. Cric hydraulique. Excellent. Le problème c'est qu'il faudrait que je l'attire pour qu'il vienne là plutôt que là-bas. Voilà, c'est ça. Viens, viens Boris, viens, viens. Boris. Ok. Comme ça on fait la diversion. Et là il va arriver à droite. Salut Boris. Hop là, trop simple. Et on va ramener ça au pote. Tiens, t'avais besoin de ça, Mike. J'ai besoin d'un outil de charger. Passer le gris sur la base de chargement. La base de chargement? Où ça? Toi, t'en as besoin? Ah bah, c'était pas ici? Non. So many adventures we imagined in our secret lair. Placer le cric hydraulique sur la base de chargement. Où ça, la base de chargement? J'ai pas vu. J'ai dû louper une étape. Peut-être de ce côté-là. Peut-être qu'en haut, il y avait un truc. C'est ici, il y a les générateurs, hein, donc... Il y avait un truc dans le sol. Non! Oh. Boris arrive. Regardez les pièges, ça marche pas sur lui je crois. On peut essayer, attention. Voilà. Il s'en moque totalement. Attends, t'es pas sérieux, faut que je récupère le générateur. Mais il y avait un truc dans le sol là. Tant pis, je vais là. Voilà, comme ça. Il me lâche un peu. C'est quoi ça? T'as de déchets, oh non faut fouiller les déchets, tu rigoles. Ok, il arrive, Boris, il est là, non! J'ai plus mon cric! J'arriverai jamais à le récupérer. J'ai pas le temps. Ok, on va fouiller. J'ai vu qu'il y avait une barre là-bas. En fait, les robots, ils servent à rien, hein, parce que de toute façon, ils me grillent tout de suite, Boris, c'est abusé. C'est encore plus abusé que mes pièges! Une base de chargement. Et là, il y avait un truc là. Un enfant? Oh! Ok, il y a un truc, sûrement pour le blaguer, hein, je pense. Vieille photo. Ok, bon, la base de chargement, c'est pas ici. Il y a rien là. Hein. Oh, il y a du liquide qui a dû couler ici. Bon, de toute façon, Boris peut pas venir, donc ça, c'est cool.
Quand il arrive là. Ouais ouais, là il est bien là. Ça tombe bien, je voulais aller de l'autre côté pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi il y a un truc avec un... Faut pas qu'il me tasse ici hein. Pas de base de chargement. Ok, faut que je récupère mon cric. Ça me l'indique mon cric? Ah ouais, ça me l'indique, ok, mais je savais qu'il était là-bas hein, mais... Donc là, on va récupérer notre cric. Voilà, que j'ai fait tomber tout à l'heure. Voilà, et là. Ah il fallait monter, donc c'était ça. Mais là lui il peut monter ici hein. Je suis pas sûr, non. Oh ça va. Hop là, trouver la tenue de Mini Rod. Oh. Des personnes doivent tirer les interrupteurs en même temps pour l'activer. Ah ouais, je vais avoir besoin des Ok. Donc il va falloir que je trouve la tenue dans le tas de... Hein. Parce qu'on est d'accord que... Voilà, c'est ça. C'est dans les tas à trouver en fait. Voilà, j'en étais sûr. C'était celui que sûrement que je voulais fouiller là-bas. Et là, il y a quoi là-dedans? Rien du tout, dommage. Oh, il est là. Il est juste là. Ouais bah attends, c'est moi là, c'est pas grave. Ça va aller les gars? Je vais fouiller là-dedans hein. On va pas suivre ce que nous dit le truc. Dommage. C'est pas ici. Mais non mais attends, mais ça va être horrible. Ok, j'ai réussi à le troller. Ok, ça va bien se passer. J'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps. Oh il était bleu, il bouge, il pousse ses mini-rods. En vrai j'ai trouvé, on va faire le tour. Oh, la pression, la pression, la pression. On va faire tout le tour pour qu'il reste coincé. Je vais passer par là, ce sera plus rapide. Mais l'enfant, c'est pas genre un troll, la pancarte. Regardez, il arrive, il est déjà là. Il va super vite. Comme ça, en fait... Ouais, bah, tu peux faire ton truc, là. Je savais pas qu'on pouvait les esquiver dès le début. Enfin, en mode... Faut qu'ils viennent là. Voilà, il est là. Et là, on y va, on fonce. On court. Hop, allez, allez. Mais je pose la pièce, même si c'est que ça sert à rien. C'est juste pour le fun, c'est pour me sentir rassuré. Ok. Allez, allez. Oh, y'a pas de mini-rod autour du tas, ça c'est bien. Allez, fouille, s'il te plaît. Dis-moi que c'est dedans. C'est bon, c'est moi. Les ennemis vous prendront pour l'un d'eux. Oh, vous pensez que ça marche genre avec Ça marche avec lui aussi. Mais c'est trop bien si j'avais trouvé ça dès le début. Oh, je suis dégoûté. Bon, alors du coup, bah là, je vais peut-être demander à mes potes, hein. Donner la tenue à Charlie. Oh. Faudrait que je donne la tenue à Charlie. Bon, bah écoute. Ouais, il me capte vraiment pas, quoi. Il va me laisser passer ou ça se passe comment? Eh, ça va? Waouh, regardez. Il est trop stylé, en vrai. Boris, le garde du corps de Rod. Ok, on va donner ça à notre pote. À Charlie. Hop. Allez, c'est parti. Le donjon, ils appellent cette zone le donjon. Tiens Charlie, t'auras ton fameux déguisement. Ah, oh, trop stylé. Guidez Charlie jusqu'au chargeur. Là, il va devoir nous filer un coup de main. Le problème c'est que là, lui par contre, il va me poursuivre le garde du corps. Ouais, voilà. Là, il pense que là, c'est Rod qui me poursuit. Et on va aller en haut ensemble. Hop. C'est bon, ça va, laissez-moi, c'est... Ça va ou quoi? Oh, mais il est trop cuté. Pas de problème. Allez, pousse-toi un peu là. Hop. Voilà. Tu vas me filer un coup. Non! Ça va, Charlie? 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 Charlie! Il est tombé dans les pommes! Cric hydraulique. Deux personnes doivent tirer l'interrupteur. Charlie, file-moi un coup. Mais il est bête ou quoi? Faut que tu me files un coup de main. Faut qu'on appuie à deux sur le générateur. Attention, 3, 2, 1. C'est parti! Allez, on appuie. Allez! Et voilà, c'est bon. Yes! Maintenant, il fonctionne. On va donner ça à Mike. Non, mais non. Oui, mais ça va aller, ça va aller. Boum. Je prends ça. Boris est là. On va faire le tour. C'est hyper risqué ce que je vais faire. Non, c'est bon. Parce qu'il y a un mini-rod quand même. Hein. Ça va, Boris? Je crois qu'il galère un peu à me suivre. Ok. Et là, on va donner le cric à Mike. Tiens, Mike. Oh, thanks. Wow, trouver le panneau pour enfants. Ah, bah, c'est bon. Bah, ça va être tranquille.
Ah, ça va être pour le piège. On va piéger C'est pour piéger Boris. Non mais il arrive beaucoup trop vite, je suis obligé de faire le tour. Alors j'ai vu qu'on pouvait fouiller les poubelles, à mon avis on en aura besoin à mon avis à un moment. Ok, on va refaire le tour. Le panneau enfant, on l'a trouvé. Allez Boris, ramène-toi. Je vais l'attendre un peu quand même. Ah ouais, regardez, il a un mini rod sur son bras. Faut pas qu'il me voie lui. Wouh, il est déjà là. Tu déconnes. Là je l'ai derrière moi. Je l'ai juste derrière moi. Le panneau. On va faire le tour hein. Alors les pièges servent à rien, je les jette mais ça sert strictement à rien. Regardez, il a pas perdu une seule seconde. Faut que je le fasse venir jusqu'ici. Il arrive. Il est là. Et là on y va. Non. Il est toujours dans le coin je crois. C'est bon, je peux toujours y aller. Il est quand même en train de revenir. Ouais, il arrive. C'est bon, j'ai tout. Oh là 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 là. Tiens Mike, placez le panneau devant le générateur. On va faire un piège. Il va foncer dessus. Trouvez le pistolet à micro-ondes. Oh non, je l'ai jeté. Non. Non, je l'ai jeté. T'es sérieux? Et je l'ai utilisé. Mais ça va, je pense qu'ils vont me donner les munitions. Ok. Je vous rappelle, on a 3 vies pour l'instant, on n'a pas perdu une seule. Hein. Et puis, les pièges ne servent à rien sur les boss. Hein. Donc clairement, il aurait pu totalement m'attraper déjà. C'est parce que j'ai la technique. Oh non, il est déjà là. C'est peut-être le moment, je vais enfin me faire attraper. Pistolet à micro-ondes, il est là-bas, je le vois. Il me faut tout de suite ce pistolet. Et c'est bon, je l'ai. Ok. Oh, lui, il est toujours désactivé, cool. Alors, attendez, je vais mettre là. Ah bah, il vient de se réactiver, génial. Attention. Boris est là. En plus, il est parti nettoyer, ça me paraît bien. Ok, je pense qu'on va utiliser ça sur soit Boris, soit le générateur. Boum. Ok. Remettez le pistolet micro-ondes à J. J. Tiens. Ah, t'as vu ce robot, il est plus effrayant que Mati. Ah oui, c'est vrai, Mati, le robot de la cuisine. Chut. Attirez Franklin Boris jusqu'à la devanture du magasin. Ok. Comment? Mais il va venir tout seul, de toute façon, à force de m'attraper. Attirez Franklin. Allez, Franklin Boris. Allez, Boris. Attention. Il arrive. Et maintenant. Ok, ça ouvre la porte. Eh, espèce de robot tout moche et tout cassé. Ton visage ressemble à une poêle rouillée. Tu me donnes envie de pleurer. Ouah. On l'a électrocuté. Tu es bien trop faible pour assurer la sécurité. Même moi, je suis qu'un enfant et je peux te battre. Eh, Boris, là-bas, je suis là. Ouh. Oh, l'attaque. L'attaque. Frappe et détruire. Boum. Il s'est explosé sur le générateur. Allez. Et un de moi encore. Choisissez une nouvelle destination. Ouah. Il a tout pété, hein. Il est en miettes. Bien joué les gars. Check. Check. Ok. Et check. Ok. Bon bah maintenant c'est parti pour le laboratoire. Allez, on y va. Trouvez le générateur du laboratoire, le dernier. Ok. Bon bah là il faut se barrer. Pistolet à micro-ondes, j'en ai plus besoin. Donc là, il faudrait... Bah, il faudrait sortir, en fait. Je pense que je peux repasser par le conduit. Ouais. Bah là, il n'y a plus Boris, c'est trop cool. Oh, c'est génial qu'il soit plus là. C'est beaucoup plus simple. Ok. On va repasser par le conduit. Voilà. Nickel. Hop, on remonte tout ça. Et là, je sais exactement où on va aller. On va passer par l'échelle. Elle n'est pas là, la nonne? Non, c'est bon. Ok, tranquille. Pas besoin d'indices, hein, c'est bon, on sait. En vrai, c'est exactement où je voulais aller à chaque fois, les trucs, les indices. Et bah, c'est là. Voilà, bah, c'était sûr, vu que je pouvais pas y aller tout à l'heure. Non, tombe pas. Wouah, c'est vache. La nonne. Elle est encore là, la nonne, hein. C'est incroyable. Je l'avais joué à la nonne en plus, hein. Il y a beaucoup d'entre vous, les amis, qui se doutaient pas, mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo, justement, je l'avais fait. Ok, c'est parti. Oula, c'est quoi ce tableau, là, ce PNG? Oh, on est de retour dans la cuisine. Oh, c'est la grosse Mati. Oh non, elle est encore en fonctionnel.
Elle est encore en vie. Biat. Que se passe-t-il ici? Elle a un canon. Oh non, elle est encore là. Trouvez le générateur du laboratoire. Finalement... Elle n'a pas vu. Finalement, c'est peut-être Rod qu'on va affronter à la fin. Le générateur. Oh, elle tire des fléchettes. Mais elle peut plus se déplacer. Let's go. Hop, salut. Elle peut plus se déplacer, ça c'est bon ça. Faut aller là. Non. Je sais pas qui c'est, je sais pas si Mathieu peut se déplacer. Hein, viens Rod. Rod est ici. C'est une blague. Oh. Non Rod, c'est pas le moment. Oh, je suis jamais venu ici. Il me suit. C'est là. C'est quoi cette zone? C'est là, le carton. Wow. Oh la vache. Oh, c'est là où on avait reprogrammé le mini-rod dans l'épisode 7. Oh là là. Eh les gars, je pense à rentrer l'un de ces trucs. C'est un atelier équipé d'un ordinateur. Pirater système central générateur pour les activer. Wow, le laboratoire, ça va être terrible. Wow. Ok. Apparemment, ces laboratoires ont mené des expériences sur des singes il y a longtemps. Aujourd'hui, ils ont même des hamsters à certains endroits. Quel intérêt de cette usine? C'est censé fabriquer des glaces? Bah, pour tester les parfums un peu bizarres. Oh. Chut, j'ai besoin de ton aide. Tu peux lui parler par talkie? Je dois trouver une bouteille qui est... Ok, demande à Alice de quoi elle a besoin pour... corroder l'armature. Roger that. Ok, bien reçu, t'inquiète, on va essayer de trouver ce qu'il te faut. Alors, t'as besoin de quoi? Eh, hey, écoute, apporte-moi ces deux choses, Charlie. Alors, une bouteille de dentifrice, là, tu sais, de... Sorry, hein, de bouche. Maintenant, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Bah t'inquiète, je m'en occupe. Et un espèce de... un tube à essayer. Ok, bon. Et lui, il disait quoi? Chut, j'ai besoin... Jade, j'ai besoin de ton aide. Je dois trouver une bouteille qui est... Alors, décrivez les bouteilles que vous recherchez à J pour qu'il puisse les trouver. Bah, c'est un peu une bouteille cylindrique, non? Son bouchon est cylindrique. Décrivez l'une des bouteilles que vous recherchez. Ah ouais, d'accord, faut regarder. Ah bah, je peux le garder dans les mains. Merci, Alice. Oui, bah oui, ça, je vais dire. Ok, donc, alors, je peux le poser pour m'en rappeler ou pas? Je dois trouver une bouteille. Qui est? Bah, il y en a deux de bouteilles. Cylindrique, pyramidal, cubique. Allez, pas cubique, hein. Allez, un peu cylindrique, non? Pyramidal, ça veut dire comme ça, non? Cylindrique. Et son bouchon est en pyramide. Sphérique. Vissé, plat. Sphérique. L'étiquette représente une sorte de... Ah bah là, c'est bien comme ça. Alors, 8 dessinés à la main. Ah ouais, c'est ça, génie de la lampe. Éclair, 8. Ah d'accord, faut aller parler de la droite. Ok, oh, c'est trop bien. Ok, obtenez le dessin des ingrédients. Ouais, bah c'est bon, je l'ai. Et demande à Gilles de trouver. Malheureusement, j'ai pas réussi à mettre la main dessus. Ok, ça roule. Alors attends, je pense qu'à mon avis, faut qu'on parle de du petit truc à droite. Alors, on va recommencer. C'est une bouteille cylindrique. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein. Cylindrique. Ouais, elle est pas pyramide, d'accord. Et son bouchon est plat, sphérique, vissé. Il est plat son bouchon, il est plat. Et l'étiquette représente une sorte de 8 dessinés à la main, 8 dessinés à la main. Roger that. Il y a trop ou quoi? C'est tout? Je sais pas s'il va me le ramener mais Oh ça a marché. Oh let's go. Yes. J'ai cliqué en haut mais je sais pas si ça... Ok. Bah de toute façon c'était ça. Ah c'est une substance. Tiens, on aura besoin Lise. Et trouver le liquide vaisselle maintenant. Bon, allez, on va se balader. C'est parti. Ok. Ah ouais ça on l'avait explosé je m'en rappelle. J'entends Rod. Je fouille. On peut se déplacer pendant que fouille. Ça je savais pas ça. Une bobine. Ok, je vais déposer ça dans le coin. On va déposer nos affaires. Au cas où j'en ai besoin. Hop, ça c'est la bobine.
C'est pas ce que je cherche. Hein. Mais je vais ramener les objets à chaque fois. Comme ça. Oh non. Ouais bah non, bah c'est pas le moment, mec. Je vais voir ça. Y'a rien dedans. Il peut passer là-dedans, je vous rappelle. Hein. Mais d'où tu me vois? M'arrête un peu! Voilà, vas-y, fais ça. Ok. Heureusement que Rod est pas venu. Rien dedans. On ferme la porte. Waouh! Je l'ai vu. Le problème, c'est qu'il y a Rod là. Tiens, Rod, pour toutes les fois. Tiens, pour toutes les fois où tu m'as piégé! Boum! Allez, je te marche dessus! Ok, trouvez le liquide vaisselle. Pas fouiller ici. C'est ça? Pièce détachée, faut refouiller! C'est pas possible! Rien d'intéressant là-dedans! C'est forcément dans une boîte comme ça! Allez, 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 allez! Rien d'intéressant là-dedans! Oh, je peux passer là! Ouh! Et je ratterris là-dedans! Une bouteille de la vaisselle, ça pourrait être pas loin de la vaisselle! Non? Non, mais en vrai, sans déconner! Oh non, c'est pas possible! Ok, bon, il m'a électrocuté, mais c'est pas grave, je suis bien! Ok, ok! Oh, le fusil! Le fusil, pardon. La fusée. Bon, en vrai, ça balance des fusées, le machin. C'est quoi ça? C'est pour ce moment qu'il y en a, d'accord. Mais il se passe quoi? D'où j'ai été paralysé? C'est la Mati? Hop là. Il me faut une bouteille de lave-vaisselle. Faut en fouiller les placards, je pense. Alors, je pense que si je vois Rod, je le paralyse tout de suite. Le piège, il l'avait mérité, hein. On est d'accord. Attention à Mati. Elle a toujours son canon. Liquide vaisselle. Non. Il est bloqué. Il est vraiment, vraiment, vraiment en colère. Il est vraiment en colère. Allez, pas de piège. Wow. Moi, dépêche-toi. Il suit. Ouais, bah, vous pouvez sonner l'alerte, hein. Oh là là. Je voulais pas tirer tout le temps un piège, hein, même si on me permet parce que c'est trop abusé, je trouve. Donnez le liquide vaisselle à Elise. Tiens, t'as tes deux ingrédients. Ah, merci. Pas de colère, non, qu'elle m'accompagne depuis tellement longtemps. Qu'est-ce qu'elle fait du coup? Waouh, elle a court-circuité les trucs, elle a tout ouvert cette dent. Demande à Mike de quoi il a besoin pour connecter l'ordinateur au générateur. J'imagine un câble. Mike, t'as besoin de quoi? J'ai besoin d'une bobine de câble et d'un chalumeau pour tout l'ordinateur au générateur. Eh bah écoute, ça tombe bien, regarde, j'ai déjà la bobine et il manque plus que le fusil électro. Je sais où il est. Je sais où il est. Je l'ai fait tomber. S'il te plaît, dis-moi que Rod est là-haut. Ça, je suis tranquille. Voilà, on fait exprès. Non, mais d'où? Il a pas sonné l'alerte techniquement. Hein. Et là, je tombe dans les bras de Rod. C'est pas loin en vrai. Je sais pas qui a ouvert la porte, mais à mon avis, c'est pas un pote. Non, 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 pas d'alerte. Oh non, il a donné l'alerte. Ça, ça marchera peut-être pas sur Rod. Hein. Attends, on va le faire bugger. Voilà. C'est bon, il a terminé de faire. Attends, ça marche sur lui? Oui! Let's go! Allez Rod, hop là, il a tapé sa meilleure danse là. Sa meilleure danse Fortnite. Yes! Désactiver le verrou électrique. Alors, attends, lui c'est pareil. Non! J'appuie autant que je pouvais. C'est bon, on est trop bien. Et aucun indice, hein, besoin de rien nous ici. Hein. Voilà, allez boum! Ok! Allez les potes, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. T'as pas besoin de ça? C'est un ordinateur, je parie, je peux le connecter au générateur. Verrou électrique? C'est quoi le verrou électrique? Toutes les armes qu'on a? A mon avis, j'ai dû louper un truc. Le verrou électrique, je suis passé à côté? Oh, on va aller voir ça, attendez. C'était dehors. Ah! Alors attendez, on va le laisser faire. Voilà, fais ta toupie là. Le problème, c'est que t'as fait l'alerte, non?
Faut que je redescende en bas, c'est pas bon du tout ça. Ok, je vais passer. Non, non, non. J'espère que t'as pas appelé Rod. C'est horrible. Il est pas là, c'est bon. J'ai plus besoin de ça. Le chalumeau. Hein? Obtenez chalumeau. Oh non, ça va en fait, les astuces des fois c'est pas si abusé que ça. Hein. Le chalumeau, je dirais que c'est dans le labo. Hein. Il m'a vu là, d'où? Oh, je vais te laisser un petit cadeau, mon pote là. Boum! Ah, merci, au revoir. Voilà! Non, mais c'est fou qu'on ait le droit à tout ça gratos. Parce que normalement, t'avais le droit qu'à deux pièges, les points barres. Hein. Donnez le chalumeau à Mike. Vas-y, explose pour moi là, s'il te plaît. Voilà! Allez! On va donner ça à Mike, vite! Let's go, let's go, let's go! Allez, c'est parti! Hop là! Ça va, Mike! Thanks! Merci! Pirater le générateur! Empiler les lignes de code pour accéder au générateur et le désactiver. Tous les écrans de l'ordinateur pour bloquer la ligne active et faire apparaître la suivante. Attention, si elle est désaxée, vous perdez la surface d'écriture. Ok. C'est quoi? C'est comme un Tetris? Comment je... Ok, ah d'accord. Faut les empiler, c'est ça hein. C'est tout. C'était super simple. Oh oh. On a désactivé le générateur. Oh. On a désactivé la sécurité, yes. Excellent. Ok. Bon, maintenant c'est loin de se barrer. La carte. Let's go. Fuite en cabionnette. C'est bon? On s'en va? Mais non. Oh! On s'enfuit de l'usine de Rod! Yes! Bien joué! Finalement, nous avons réussi à sortir de là tous ensemble. Super! C'était comme dans un rêve. Est-ce que je rêve, Mike? Arrête de dire les bêtises! Je dois me concentrer si nous voulons rentrer chez nous en un seul morceau. Oh! C'est terminé! Mike! Tu es tellement courageux! Ne le dérangez pas! Et maintenant, nous sommes enfin sortis à faire. Qu'est-ce que tu voulais me dire tout à l'heure? Ah, il voulait dire qu'il l'aimait beaucoup, je pense. Tu vois? Qu'est-ce qu'il va le dire? Voyons, j'ai besoin de me concentrer. Liz, le moment est mal choisi. Le moment est mal choisi pour un câlin? Ou pour un baiser? Oh, il se moque de lui! Mais de quoi tu parles? Ah! Cette camionnette s'arrête ici, vous rentrez tous chez vous à pied! Je préfère continuer à pied, Mike. Attends, Liz, peut-être que tu vois des choses qui n'existent pas. Attention à cet arbre, on fonce dessus! Oh! Oh! Tout le monde va bien? Ah bah, il vient de dire ce que je viens de dire. Ah, s'en a l'air, ça en a tout l'air. Maintenant, on n'a plus le choix que de finir à pied! Oh, mais c'est bon, ça va aller, Liz, t'inquiète, pleure pas. Au moins, on va pouvoir rentrer chez nous. Les amis, on l'a fait! Le chapitre final! Ice Cream, vite! On l'a terminé, on a réussi à échapper à la nonne, à Boris, à la grosse Patty et bien sûr à Rod et tous ses mini-Rod! Incroyable, il a fallu 8 chapitres! Vous imaginez, tout ça partait seulement d'un de nos potes qui s'était fait kidnapper par le marchand de glace quand même. Hein. Et on en est arrivé là. Hein. C'est dingue! Trop trop stylé. Est-ce qu'il y a une scène secrète? Qu'est-ce qui se passe? Rod. Mais attends, mais... Il me poursuivait pas? Qu'est-ce qui se passe? Il va rencontrer sa mère en fait. Quoi? Non, c'est impossible! Ils ont réussi à désactiver le système de sécurité! Eh ouais! Au moins, j'ai toujours le contrôle des autres gamins dans la salle d'extraction. Des autres enfants encore kidnappés? Hein? Oh, non! La porte de la salle d'extraction est ouverte!
Ça a dû se produire quand le système de sécurité s'est désactivé. Yes! On a libéré tout le monde! Ouais, il est dégoûté. Je devrais aller sur place pour fermer cette porte pour éviter que la pièce ne subisse de dégâts et que mon garde manger pour mes enfants dodus ne finisse à la poubelle. Vous savez, il travaille sur un nouveau casque. J et ses amis ont enfin réussi à s'échapper de l'usine de Rod. Mais ils ne sont pas encore sortis d'affaire. Il reste un dernier mystère à résoudre sans oublier que Rod est là. Je pense que c'était écrit ça. Ah donc du coup c'est pas... Ce n'est pas finalement le dernier chapitre alors que c'est marqué. Mais c'est trop bien. Attendez, est-ce que vous pensez que du coup tout ça là, tout ce qu'on a vécu avec Ice Cream est terminé? Et tu auras peut-être le Ice Cream 2 chapitre 1 qui sortira. Genre une nouvelle aventure et tout. Oh, ça serait trop bien. Et bah les amis, on l'a fait, on a réussi à échapper à Rod. On s'est même pas fait attraper une seule fois. Et pour le coup, les peu d'indices que j'utilisais à la fin, bon bah enfin au début c'était évident, hein. Franchement c'était hyper simple. C'est fou qu'ils puissent, je pense qu'ils ont donné toutes les capacités pour les utiliser, les indices ou quoi, parce que bon clairement voilà, c'est pour se changer tous les chapitres. Et vraiment en vrai, et bah personnellement j'ai trouvé, alors je parle pas par rapport aux indices ou aux pièges, mais j'ai trouvé plus facile que les autres, même si les boss couraient plus vite, parce que vu que tu pouvais être planqué, t'es tout le temps en sécurité, bah au final c'était beaucoup plus simple. Et c'était trop stylé de revoir tous les méchants, tous les ennemis de Ice Cream tous réunis, ouais. Vraiment c'était le Avengers des méchants, quoi. Voilà les amis, j'espère en tout cas que ce chapitre final de Ice Cream 8 vous a extrêmement plu. N'hésitez pas les amis à mettre un maximum de likes, un maximum de pouces bleus sur cette vidéo si ça vous a extrêmement plu. Franchement pour tous ces chapitres qu'on a fait tous ensemble depuis tout ce temps, franchement merci beaucoup les amis de m'avoir suivi sur cette aventure. Elle était géniale et surtout elle l'était encore plus grâce à vous et avec vous. En tout cas merci beaucoup les amis, n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne YouTube car on est de plus en plus nombreux, c'est incroyable, et surtout d'activer la cloche pour ne pas rater le jour où la vidéo sortira. Peut-être un nouvel stream, on sait pas. Et surtout les amis, n'oubliez pas la prochaine fois que vous allez chez le marchand de glace. Allez, ciao les amis.